Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. La recette que je vous présente, c'est comment faire une petite entrée, voilà, une entrée froide. Donc pour en savoir plus, on y va. Ici, voici ingrédients. J'ai composé 7 différentes entrées aujourd'hui. Différents modèles, différents en tout cas. Voici tous les ingrédients, je ne vais pas citer parce que si on veut citer tout ça là, on va s'éterniser ici. Donc là, à chaque fois que je vais utiliser l'ingrédient, viens. Viens du coucou. Au moment où il est papa là. Viens du coucou. À chaque fois que je vais utiliser, je vais mentionner le nom là. Ici, j'ai pris des cornichons. Thank you. Je suis dans l'obscurité, mon fils a allumé la lumière. Ah, concombre. Tomate. Il y a 3 couleurs de poivrons, rouge, vert et jaune. Isaiah, pardon, doucement. Après le temps, elle est venue me cacher ici, là. Mayonnaise. Vinaigrette, crevette. Concernant la vinaigrette, là, je vais laisser le premier commentaire, la recette en premier commentaire qui sera épinglé. Là, on va mélanger tout ça, là. Très bien mélangé. Pour ceux qui sont sensibles à passer au parce qu'il y a le corps dedans. J'ai rajouté un peu de carottes râpées. Et on va passer au dressage. Ici, j'ai disposé mes tomates. Isaiah. Désolée, il n'y a pas le choix. Je suis obligée de faire avec. Là, je vais... Isaiah. Il faut te taire. On va dresser. Je vais rajouter un peu de carottes par-dessus. Un peu d'œufs. Les œufs. Petit pois. Ça y est. Ici, des olives noires. De reprendre, non. Ou bien. Passez un peu à quoi le résultat. Donc, si tu as aimé, n'oublie pas de liker, de t'abonner, puis de partager. Vous allez beaucoup m'excuser pour le bruit que fait Isaiah là. Il n'y a pas le choix là. Attendez. C'est fini, voici le reste qui est resté là. J'ai ramassé dans un bol pour le mettre au frigo. Maman, ça fait 10 jours. 5 jours, pardon.